comme tous les track days, ça démarre doucement et puis gentiment. Nous, on essaye de donner des cours de pilotage de plus en plus. Donc là, je saute d'une Lotus à une McLaren, à une Ferrari, à une, là, je dois essayer une Porsche. Donc c'est vraiment sympa parce que les gens adorent leur voiture. C'est ça qui est le plus beau à voir, c'est que c'est des passionnés. Ils adorent leur voiture et nous, on leur essaye de leur faire conduire au mieux. Notre club a souhaité inviter l'association Petit Prince. Et donc, c'était l'occasion rêvée, c'est le cas de le dire, de convier des Petits Princes à faire des baptêmes sur les McLaren. Les réactions des enfants, elles sont spontanées, elles sont belles de spontanéité. C'est vraiment très agréable de pouvoir partager des petits moments comme ça avec des gamins. Ils voient 80 voitures, 80 pilotes déchaînés, dans un univers vraiment très sympa. Donc, je pense que c'est pas mal et nous, on l'en fera. D'abord, il y a une vraie relation entre Michel Vaillant et Le Mans, puisqu'en fait, Jean Graton a débuté en venant au Mans à 13 ans avec son papa. Et on a exposé ici, là, pour l'occasion, tous les airstrips qui, justement, sont sur le thème des 24 heures du Mans, évidemment. C'est bon esprit parce que c'est super bien encadré, il y a beaucoup de coachs qui sont ici, même si on est pilote et qu'on est habitué à rouler, on n'est pas gêné par le trafic et je pense en plus qu'on ne fait pas non plus peur aux gens qui sont ici pour la première fois. Il y a vraiment une variété de véhicules qui est hyper importante. C'est un circuit qui a des parties un peu techniques, mais la voiture, elle demande que ça, et là, il n'y a pas de problème. Et c'est le pilote qui faut qu'il soit encore meilleur pour en tirer la quintessence, quoi, c'est tout. C'est très gentleman driver, donc c'est assez courtois, et il n'y a pas de pression, c'est que du plaisir.